Hi my lovely people, j'espère que vous allez bien. Donc on se retrouve dans un nouveau samedi vlog. Aujourd'hui je partage avec vous mon appartement. Mais je vais vous montrer un peu la déco que j'ai faite. J'étais encore chez ma mère et je suis rentrée ici après avoir fait toute la déco, vraiment toute la déco, avoir tout posé. Et là je suis enfin prête à vous faire une room tour. Surtout qu'il y en avait qui m'avaient demandé un peu... en fait de faire une room tour. Donc on y est. On va commencer par le salon. Alors mon salon est vraiment petit, vous voyez la vue d'ensemble. Donc là vous avez le premier miroir, parce qu'attendez, je suis vraiment fan des miroirs, donc le premier miroir avec donc ma petite table. Là c'est rangement, je vais pas vous montrer l'intérieur des placards quand même. Là c'est ma petite boîte à plaid avec donc rangement de télécommande, le petit allume parce que j'aime beaucoup les bougies. Mon petit fauteuil de personnes. Bon, pour l'instant je suis toute seule. Ensuite nous avons la magnifique table. Donc aujourd'hui j'ai invité ma pote chez moi et donc je suis en train de préparer un petit truc. Ensuite donc vous avez la télé, big télé, parce que voilà, le mur est fait pour, en fait il est assez grand et tout, donc voilà. Ça c'est le petit art déco, c'est le mur déco que j'adore vraiment. J'ai acheté ces plantes à Ikea. En fait la plupart des choses que vous allez voir ici c'est maison du monde, donc je vais pas vous répéter à chaque fois, mais passez sur le, enfin prenez les photos et tout et allez voir sur maison du monde. Donc voilà, c'est là que je mets un peu mes plantes. Il y a des fausses plantes et des vraies, mais vraiment c'est vraiment de la déco, donc j'essaye de prendre un maximum de fausses plantes. Et donc là voilà, ça j'avais acheté chez Action. Franchement Action aussi c'est super bien pour la déco, je vous recommande. Et ça c'est la petite armoire que vous avez vue à l'ancienne dans ma chambre. Bah maintenant je l'ai mis dans mon salon. Et voilà, c'est de chez Action aussi. Alors on va rentrer dans ma cuisine, vraiment petite cuisine. Donc là c'est mes rangements, pâtes, céréales, sucre, tout ça. Là je suis en train de faire du riz pour Marine et moi. Voilà, avec des crevettes, on va trop bien manger. Voilà, donc là c'est mes rangements et tout, voilà. C'est vraiment une mini cuisine, comme je vous dis, c'est vraiment petit. Donc mon frigo, mon... Chut, Marine! Et mon chauffe-eau, voilà. Et toujours un rappel de plantes. Donc celles-ci, ce sont des fausses. Hein. Place à la douche et aux toilettes, parce qu'elles sont ensemble. Alors là, je vous montre ma salle de bain. Elle est vraiment petite, mini, voilà. Donc faites pas attention encore à la peinture, on l'a pas terminée. Et donc voilà, toujours un petit rappel de plantes. Les filles, c'est très important d'avoir de la végétation chez nous. Donc voilà, ça c'est mon lavabo, ma brosse à dents, mes deux pâtes dentifrices parce que j'aime bien varier les pâtes dentifrices. Et donc ça c'est mon petit box où je range mes serviettes. Et donc juste en face, nous avons nos toilettes. Voilà, enfin mes toilettes. Et sans oublier, très très important les filles, pour le caca, la fenêtre. Très important. Donc ça c'est ma petite fenêtre que j'ouvre après la grosse commission. Voilà. Est-ce que vous êtes prêtes? On va rentrer dans le balcon. Alors là il y a la petite marche avec toujours un rappel de déco. Voilà, petite bougie. Celles-ci ce sont des bougies artificielles, donc avec piles et tout. Et là bon, il y en a des vraies. Enfin je mixe un peu. Voilà, donc j'ai mis du faux gazon, hein, bien évidemment. Voilà ma petite table, quand je vais recevoir les copines et tout. Parce que là, les copines, en fait, elles sont même pas au courant en fait que j'ai mon appartement. Je l'ai pas dit, j'ai gardé ça secret. Et donc là, voilà, toujours les filles, un rappel de plantes, même si ce sont des fausses. C'est très très joli d'avoir des plantes chez soi. Donc celle-ci, c'est une vraie... Bon, vous pouvez voir qu'elle est un peu sèche, très... Voilà, c'est la famine. Ça, c'est mon mandalin. Une nappe de plage que j'ai pris chez Action, c'était vraiment pas cher et puis je trouve que c'était joli en déco comme ça. Et vu que je ne vais pas souvent à la plage, bah ça fait une bonne déco chez moi. Et donc ça c'est mon petit fauteuil, voilà, cosy, voilà, comme aujourd'hui, bah il fait beau, il y a les oiseaux qui volent, donc on va s'installer ici avec Marine. Et donc toujours des bougies, rappel de plantes. Donc ça c'est mon palmier, mais faites pas trop attention, il est pas très fleuri. Donc ça c'est une petite volière très mignonne pour les oiseaux. Donc moi je l'ai mise en déco et... Attendez, j'ai louche, c'est très fragile, donc voilà. Voilà, une autre bougie ici. Et puis voilà, voilou. Allez filles, j'espère que mon room tour vous a plu. Ma chambre, je préfère garder ça perso. J'ai oublié de vous montrer quelque chose. Donc c'est le lampadaire. Donc j'ai mis un lustre et en haut vous pouvez voir en fait le détail. Ça fait genre Paris, délire comme ça. C'est polyester, c'est du polyester. C'est du polyester, ok? C'est juste de la déco, je trouvais ça super mignon. Donc je l'ai mis là.
Là, je sais pas si je vous ai montré, mais voilà encore de la déco. Vous pouvez voir que j'aime beaucoup les mandalins. J'aime beaucoup les mandalins avec les bougies, Yuki Candle. Et voilà. C'est vraiment... voilà quoi, c'est moi quoi. Bon. Tu veux un jus de Bissab? Un jus de Bissab? Ouais, je veux bien. Voilà les filles, donc voilà, je vous ai présenté mon appartement. J'espère qu'il vous plaît. N'hésitez pas à me laisser des commentaires. Et voilà. C'est comme tu dis que c'est chez moi. Bah maintenant. C'est trop une mytho. Bon allez, c'est bon, c'est chez Marine. Ne me demandez pas où j'ai acheté les choses, je vous le dirai pas. Je vous ai déjà dit un peu. Voilà les filles, donc c'était notre room tour. On fait une colocation, Marine et moi. Mytho. Bon, c'est pas mon appartement, mais c'est super joli. C'est pas moi qui fais à manger. C'est pas moi qui fais à manger non plus, je suis invitée. Et bah voilà, ça vous a donné... Comme je peux pas faire de room tour parce que je n'ai qu'une chambre, ça vous a donné un peu d'idées pour chez vous. Que ce soit donc le rangement, le salon et le balcon. Voilà lady. Dites-moi ce que vous pensez de mon petit cocon. Voilà, dites ce que vous pensez de son petit cocon. Et donc le vlog commence ici. Place au repas. Donc là c'est Marine qui a concocté un bissap. Avec, donc comme je vous ai dit, un riz aux crevettes qu'on va goûter une fois que j'aurai le mot de passe de la wifi. C'est le petit coin bougie, un peu comme partout dans la maison. Franchement c'est mon crush maison. Déjà nous on met pas les pieds au sol. Quoi? On met pas les pieds au sol. Bah donne-moi des chaussons. Tu veux des... J'ai pas de chaussons. Bah voilà, fallait me dire de ramener des chaussons alors. T'as même pas de chaussettes, tu veux des chaussettes? Ouais, non, j'ai des chaussettes, ouais. J'avais pas vu. Donc voilà, très cosy, voilà. J'ai hâte de raconter ma vie. Non, bref, en gros, je vais bientôt couper mes cheveux. Je crois que je vais faire toute seule. Donc mes cheveux n'ont pas poussé sur le devant. Ils sont toujours aussi blonds. Et voilà. Hein. T'es là, fallait là les pieds recroquevillés au sol. Je vais manger. Ladies, grab a one. Put the ladies keeping show. Ladies. Bissap, s'il te plaît. Ouais, franchement, il est bon. Le bâtard, elle est tellement Instagrammable. Je te jure. Tu fais un boomerang. Donc, je vais se le thé. Ah ouais, super. Bon, là, c'est place au boomerang. C'est le moment du thé. Et avec nos fruits et les amandes. Alhamdoulilah. Bismillah. Bon, bah voilà, j'ai pas pu faire mon boomerang. Tu prends le deuxième. Ah bizarre, quand c'est une glace, hein, quand c'était de la nourriture saine, t'avais plus faim, mais là, hein, ça te gêne pas là, on le voit pas. Ah bon? C'est un say hallelujah lui. Sérieux? Ouais. Je savais pas. Il est 1h du matin, mes pieds ont gonflé. 1h30, mes pieds ont gonflé. Voilà, pourquoi? Je ne sais pas, j'étais bien assise dans le fauteuil, dans mon plaid, et voilà. Et puis on gonfle. C'est particulier quand même. Je te jure. Franchement, j'ai pris ça comme chausson. Mais oui, mais toi, t'as des chaussons. Les baskets. Mais non, c'est à ma mère. Je savais pas quoi mettre. Ça, c'est, tu sais, avec les semelles ergonomiques, tu sais, qui épousent bien. Oublie pas la boîte. Je suis trop bien. Qui épousent bien ton. Mmh. Qui épousent bien ton pied. Ça, c'est pour maman et moi demain. Vanille. Hey, lovely people. So, I'm back at home. Mes pieds ont dégonflé, ça va mieux. Donc j'ai pas beaucoup vlogué parce que j'ai décidé de poser la caméra. Enfin, je m'en suis même pas occupée. On a rigolé, on a regardé un film, on a discuté, discussion un peu privée. Donc du coup, je peux pas vraiment filmer. Et donc voilà, en tout cas, j'espère que le room tour vous a plu. Le house, home tour vous a plu et que ça vous donnera des idées pour vos décorations. On se retrouve très vite dans une nouvelle vidéo. Bye ladies!